and gentlemen. How did it happen exactly? The fire? Yeah. Comment ça s'est passé l'incendie exactement? We just started playing King Kong, and it was time for Don Preston's. On a juste commencé à jouer King Kong, et c'était le moment du solo de synthétiseur de Don Preston. Et il semble que quelqu'un dans le public ait lancé une fusée dans les combles, dans le plafond. When the thing went off. But we were playing, you know, and in that part of King Kong, I stopped the band, and Don is just playing. On jouait King Kong et j'ai arrêté l'orchestre. Don jouait et quelqu'un est monté sur scène en disant regarde là-haut. Et effectivement, il y avait de la fumée qui sortait. Alors quelqu'un a pris un extincteur et a essayé de diriger l'extincteur dessus, mais ça a simplement envoyé le feu un peu plus loin et un morceau du plafond est tombé. Obviously there was a fire. So Howard was standing on one side of the stage and he goes, c'était évident qu'il y avait le feu, mais Howard, qui était là sur la scène, a dit fire, gentlemen, par Arthur Brown. Mais à ce moment-là, la fumée commençait à déjà envahir toute la salle. Et j'ai dit à tout le monde de se calmer et de sortir tranquillement. Quelqu'un m'a dit que vous aviez été très très calme, super calme à ce moment-là, et c'est grâce à ça que tous les gens ont pu sortir sains et saufs. Oui, ils étaient très organisés. En plus, j'ai eu beaucoup de chance que beaucoup d'entre eux parlent anglais, parce que sans ça, ça aurait été vraiment très difficile. Beaucoup de gens se sont dirigés vers la sortie et elles étaient bloquées. Et ils ont cassé les vitres et ils sont passés à travers. Tout le monde est sorti finalement, sauf les deux roadies qu'on avait, et Jonathan qui fait les lumières, et Tony qui conduit le camion. Ils ont été véritablement soufflés par l'explosion à travers la vitre. Tony a eu 7 points de suture sur ses doigts. Ils ont été blessés tous les deux, mais légèrement. Il n'y en a eu que 3 à l'hôpital seulement, alors que la plupart ont juste souffert de coupures. Et en très très peu de temps, le casino tout entier a été réduit en cendres. La seule chose qui a été sauvée de notre équipement, c'était une cloche à vache. Maintenant, le reste du groupe est à Londres, en essayant de trouver un nouvel équipement. On a besoin de pas mal de temps, pas mal de jours pour trouver un nouvel équipement, parce que beaucoup de choses sont faites sur mesure pour nous, sont fabriquées spécialement. Ça prendra longtemps. Pensez qu'il y a une chance pour que vous puissiez jouer quand même en France? I would say that it would be better to find out from Herbie, because we're supposed to end our tour. Il faut d'abord voir ce qui va se passer, parce que on doit terminer notre tournée le 21 à Sheffield en Angleterre, et on va voir ce qu'il est possible de faire. Si c'est possible de le faire immédiatement après ça, on ne peut rien dire encore actuellement. Vous êtes désappointé? Je ne sais pas comment. C'est très étrange comme situation.